Bon, ce matin, on a mis ce matin débat. Marcel Yoloko, Marcel Josué Tudor, Pierre Matetatou, Esaïe, et Marcel Yoloko, tout auditeur auditrice Radio Éclairio. Ma remercie Yoloko pour l'opportunité de faire nous. Alors, ça me devait Yoloko, c'est attirer, ne devait attirer attention autorité sur en quelque sorte une dérive qui a passé dans la prison civile et Kwale Boukaye. Faut nous dire que 9 jours qui se passent là, nous étions vraiment dans la prison civile Kwale Boukaye, que nous allions faire une visite et nous étions en quelque sorte côté des cachemets pour prisonniers dans Andor. Donc faut nous dire que nous étions ouais et nous avons produit des rapports pour nous expliquer les conditions prisonniers à vivre dans la prison. Très bien. Ok? Donc nous allons parler ensemble avec vous, la Louko. Et nous avons une information côté que nous sommes la première organisation, on est ensemble avec vous, qui a annoncé aux autorités que COVID-19 est arrivé dans la prison civile de Boukaye. Ah bon? Ok. Côté que c'est gagné 32 prisonniers qui étaient déjà infectés dans le noté en quelque sorte dans la prison. Très bien. Non, on a parlé là, effectivement, qui a augmenté, monsieur, c'est l'augmenté, mais cependant, il y a des mesures autorité au prend pour stopper la propagation du virus, la pandémie en de prison. C'est notre petit fait que nous avons des informations tout à fait correctes, que y a deux prisonniers qui ont hier, et nous, en quelque sorte, voulons annoncer autorité, attirer l'attention de l'autorité autour sur le fait que. Et Arnel Joseph, qui t'a en quelque sorte payé des conditions en quelque sorte déplorables, la prison de prison, côté qu'il a violé les droits. Alors nous-mêmes, et l'intervention de nous, c'est justement pour nous dire, quel que soit vous qui êtes dans la prison en Louko, le fait que l'ordonnance pour qu'on soit tout du même si beaucoup condamné, il y a en quelque sorte des droits. Arnel n'est pas condamné, payé. Il y a un droit qui va suspendre l'existence entre nous. Je ne vais pas tout d'accord avec moi. Bien, bien, bien. Donc, selon qu'on apprend, après les d'ailleurs, nous souhaitons faire comprendre que, et autrefois, les frontières sont en tentative d'évasion, c'est parce que leur souci pour les revendiquer, parce que nous avons privé de loi, côté que le partage de l'eau pour le mouel, le partage de manger pour le manger. Maintenant, nous avons que le moment n'a pas rien là, il y a eu 2 000 sur le carbone et nous avons changé au bas de l'eau. Ah bon? Sans nous attirer attention aux autorités sur la Louko, c'est parce que nous connaissons qui est friant, monsieur Gagné, sous des nègres dans la rue. Donc, il est toujours bien un téléphone qui a communiqué à l'aise, nous déclarons qu'il y a pas son lot depuis son temps de la tout à l'heure à tout le monde. Nous n'avons pas de défenseur de la monde, nous demandons pour l'autorité de prendre disposition. Côté que pour nous tous les prisonniers pour respecter les droits normalement, pour ne pas violer les droits. Nous disons pas que nous essayons de faire ça aujourd'hui, nous pouvons dire. D'accord. Merci à Bill James, merci à Bill James. Bienvenue, merci. Il y a un groupe qui déjà a descendu dans la poise avec, mais c'est pas un problème. Visite là, la durée une heure de temps. Nous pouvons aller à un rythme normal, pas besoin d'accélérer. Cependant, nous allons passer à travers le champ pour aller dans la production de Pont de Zio. Nous allons aller en hangar, hangar industriel, dépôt, usine côté de faire manger. Et là, nous allons retourner, nous allons en hangar élevage, abattoir. Donc, c'est sur toute distance là que nous allons poser des questions. Relax, c'est un moment pour nous voir justement comment nous-mêmes nous avons fait production nationale là. Donc bienvenue à la ferme La Tortue. N'a pas dérapé. OK. Donc il y a avec nous Kempes, c'est monsieur qui superviseur ferme là. C'est monsieur qui toujours là. C'est là l'arrêté, son jeune garçon qui est très dynamique. Donc là va accompagner nous pour toutes questions nous gagne tout nous qu'à poser. OK, c'est bien. Gagné jardin citron, gagné mango et puis gagné pois. Donc nous allons passer à travers yo. D'après la pluie a été tombée hier qui fait que ou toi qui vient, il n'y a pas de côté qui va finir.
correct donc, mais nous allons aller et nous passer. C'est la ferme que nous y est. Là, nous allons à la campagne. Attention. Là, des deux côtés, nous avons une banane qui est plantée. Nous avons une production régulière, mais ce n'est pas la principale et production de ferme là. Ferme là sont fermes avicoles, mais dans l'espace, ça, nous produisons. Et nous avons papaye, nous avons mango, nous avons cerise, nous avons lame. Oui, cabouta en ferme. C'est élevage en petite quantité, mais nous faisons tout puisque en général nous on ferme. Non, pour le sao, c'est un mélange que nous faisons en poule étrangère. C'est un mélange, nous ne ferons pas parce que le mélange là, il y a un type de colbaille qui est très spécial. De toute façon, ça s'est amélioré, c'est pas du tout. Oui, ça s'est amélioré, mais cabout, c'est le cabout de Tomaso. C'est le cabout de Texas. Ça veut dire que des deux côtés, il y a mango, il y a lame. C'est une petite production que nous faisons. À nous camper pour que l'autre mounio ne va quitter au DNF. Sénateur, pas bien plus, un gros bloc qui sont dans la zone. C'est ça, vous dites. C'est ça, vous dites. Monstre. C'est ça que vous avez. Non, chaque groupe, yo, en général, c'est 50 monde. Okay. Donc, nous avons fait deux groupes déjà. Ah, ok. Je pense que. Et. Au contraire, l'autre groupe, m'a eu au pita. Ok. Voilà, donc, je vais avancer toujours. L'a vie avec le matériel, l'a vie avec manger, nous avons un peu de difficultés qui fait que vous obligez de bataille chaque jour. Mais cependant, la bataille, là nous gagnons une plantation de citron spécialisée. C'est-à-dire que tout le côté a nettoyé. Nous avons planté et nous avons des chutes de bois. Ok. Là, nous avons 250 pieds de citron qui là. Ok. Et que la préparation spéciale avec le groupe dominicain. Mais nous avons produit assez pour que nous venions tout à fait autonomes. Mais cependant, il faut être ça où nous varier, nous essayer pour nous voir, pour ne pas arrêter nos seuls domaines. Parce que moi, quoi que je dis, on ferme. Devine et on produit plusieurs à la donne, mais nous avons fait des fermes spécialisées. Parce que imaginez vous, nous importons 60 millions de dollars. Nous importons 900 millions de dollars morceaux poules. Ça fait 960 millions de dollars. Qui fait que nous obligeons de comme ça là-bas. Alors que si nous arrivons et bien produire, balance commerciale nous, il va déficit et que vous de la pas besoin, il va à 120, il va descendre à 45. Nous connaissons tous les chiffres qui sont dans la belle année qu'on a porté, mais vous même qui vient commencer à produire, qui entre dans la production, est-ce que vous avez une difficulté par rapport à ça ou qu'on entre qui va entrer encore? Ah oui, Dominique recrute un petit soin, il dit que le sénateur de la torture est un danger pour l'agriculture dominicaine. Et ça vous produit, on ne va pas être obligé, il n'est pas venu. Si nous frappons fort, nous allons voir le Dominicain. Là, nous va pas Dominicain. Mais nous avons montré aux Dominicains que dépendance qui était faite pendant longtemps, nous ne pas tolérer le jeudi. Et il y a un film en Haïti qui est capable de faire. Et c'est peut-être ça, visite ça, il était extrêmement important pour que tout jeune garçon voit que c'est pas. C'est mon monde qui était agronome, pas agronome. Il y a une volonté pour nous gagner. Et l'État doit encadrer l'emploi. Imagine toute ligne. Ouais, toute ligne ça, c'est moi qui passe. Toute ligne courant ça. Son investissement. Ouais.
si tu as un courant, tu as fait de l'eau, nappe là très bas. Tu es obligé de mettre des pompes. Mais si l'État te fait de l'eau, ça va arriver que je ne fais pas d'investissement encore. Donc, bah, là, c'est encore plus facile si l'État prend. Donc, nous allons rentrer dans la ferme avicole. Mais, sénateur, qui quantité de qui a fonctionné en deux fermes là? En termes de travail? Ça, en termes normal, nous avons 50, mais là, nous avons production, nous avons 200. Ok? Donc, nous allons rentrer directement en deux fermes là, dans la production, côté que il y a différents engrais industriels. Nous allons suivre, puisque nous déjà, ah bon, nous simplement 10 minutes. En dedans, nous allons laisser faire 30 minutes pour que là, nous retournions, nous allons l'autre engrais et abattoir. Nous allons aller dans Gaza. Ok. Nous allons aller dans 4 là. C'est le premier. Je vais vous amener là. Nous allons. Ok. Ok, ça c'est un gars qui a environ 10 000. 10 000 boulets. Et nous, que y a pour là, en dedans, un gars là, il y a trois bagages. Il y a de l'eau, c'est ligne de l'eau. C'est ligne qui est juste dans le fond. Côté nous, pour lui, il y a de l'eau. Il y a une ligne mangeoire là. C'est côté que, pour lui, même, il mange. Et puis il y a un pont de l'eau. Côté, il y a le pont. Donc, en dedans, gars là, nous avons trois bagailles. En gars, ça a une longueur de 105 mètres, okay, par 24 mètres de large. Pour ça, yo levé, ça doit aller libre. Yo en dedans, yo volé, yo ka déplacé d'un point à l'autre. C'est ça, nous avons arrivé. Et en gars artisanal, c'est pas ça que nous avons commencé. Et nous continuons à faire comme ça parce que je ça, le pour la nanga ça, j'ai encore mieux que le nanga industriel. Mais là, nous pas qu'à dépasser 10 000. Nous allons visiter 4 hangars comme ça, qui est là-dedans, 10 000 ou bien 12 000. Après, nous allons dans le dépôt, avant de nous passer dans le hangar industriel là, qui est là-dedans, environ 50 000. Donc, moulin li sorti maïa sorti derrière nous regarder li rentre dans ça. OK, ki moulin le fini par ça yo voyer en dans ça. Pour le moment nous pas passer dans ça, nous bien ça et même c'est pour là. Qui prend et que nous venons mélanger avec son yaki dans ça. Nous prenons dans ça, ok, nous prenons pour être là, nous rentrons dans bas ça, sous la tombe la dame de mélanger parce que manger pour là c'est trois bagages qui font. Maïs, soya et puis calcium. Là on dit nous calcium, c'est surtout en espagnol, mais c'est calcium. Calcium là c'est sable blanc. C'est sable blanc, c'est la dame où prend 10% ou mélanger avec maïs, ou mélanger avec soya. Soya la donne, ou râler, soya tombé, dans la proportion que vous voulez, vous mélangez, vous mettez calcium, et puis après ça, vous prenez, vous mettez dans le sac. Ça, lui-même, il prend 10 sacs. Ça veut dire que si nos journées, nous faisons 100 fois, nous faisons 1000 sacs. Si nous faisons 1000 fois, nous faisons 10 000 sacs. Tout autant que nous avons produit, nous avons production.
Cependant, nous avons fait petite production pendant le coronavirus là parce que nous étions bloqués en série de moments. Mais nous pouvons faire grande production parce que nous avons tant de production maïa. Nous voulons rentrer en collaboration avec les paysans pour nous voir quelle quantité nous avons produit pour nous acheter le maïs. Parce que normalement, nous avons besoin de 10 000 tonnes de maïs pour faire ça seulement. Ça veut dire que nous avons plus de maïs. Chaque pour année ou? Non, nous avons besoin de 10 000 tonnes pour 6 mois. Donc ça veut dire que, avec la production de nos gagner, ou obligé de gagner, peut-être ça jusqu'à présent, d'acheter plus fort manger à la République Dominicaine. Parce que manger qui fait ici, qui vous vend ici, ça la vend 27 dollars. L'achat dans la République Dominicaine, il coûte 18 dollars. Ça veut dire que, pas gagner un terrain, on est qu'à faire business pour l'acheter ici. Mais, ici, il vient produire cher, c'est parce qu'il achète tout le bail de l'autre bord. Si nous arrivons à produire maïa, manger à 4 descendre jusqu'à 15-16 dollars. Ok, sénateur, puisque nous avons une quantité énorme, comment que si on ne peut pas en être encore? Comme vous êtes malade, comment est-ce capable de détecter ça? C'est ça. Les gens qui sont dans le vétérinaire, ils sont là 24 sur 24. Depuis pour le bon problème, ils prennent, ils mettent là infirmerie. Ok, mais après, qu'est-ce que ça nous fait avec tout ça? Dépendant, si que son problème, il a besoin de vitamines, il va aller, il va retourner. Si que nous remarquons, il y a plus de problèmes que ça, ou abattre. Pour lui, il n'y a pas de durée de vie. Pour lui, il prend 4 mois de le premier journée jusqu'à 4 mois pour grandir. À partir de 4 mois, il commence à prendre et il fait 12 mois pour prendre. Ça, c'est W36 là. Mais W81 lui-même, il fait 16 mois pour prendre. Mais il fait 16 mois. Mais il n'y a pas un bon rendement même à W36 là. W36 là, c'est 92%. Ça veut dire que si vous avez 100 poules, il y a 92 qui pondent là-dedans. Alors que W81, si vous avez 100 poules, il y a 75 qui pondent là-dedans. Donc, soit vous cherchez rendement, vous allez dans W36. Pour là, en dedans, il y a des vitamines que vous allez, vous suivez. Si le malade, vous allez médicament. Parce que normalement, c'est quand vous même à tout animal que lié. Cependant, s'il arrive son contamination, ou va quitter l'endroit ou abattre. Vous dites des marchés internationaux là, sénateur. Nous avons besoin de 2 millions d'œufs par jour en Haïti. Et là, la capacité par nous, c'est 150 000. Il y a Haïti Boller qui est un investissement jamaïcain, qui ici, qui fait 300 000 lui-même. Il y a une ferme en face là, qui va l'ouvrir, qui a produit beaucoup plus. Mais là, nous gardons toute production ça. Il est arrivé à 700 000. Nous avons besoin de 1 300 000 encore pour Haïti. C'est là que nous avons fait penser à la production nationale, là, que nous avons fait l'exportation. Même à dire, nous, Dominicani, vous voyez Haïti, vous voyez Token de vous voyez la Providence. Donc si je dis à nous produire 3 millions d'œufs, ce qui est facile, nous avons envoyé 1 million dans ce pays où nous vendre, parce que le pays, c'est l'hôtel que nous vivons. C'est tout risque que vous recevez. Si nous voyons 1 million d'œufs, ça fait un petit peu de dollars qui va entrer dans l'économie. Mm-hmm. Non seulement 60 millions de dollars, nous ne pouvons pas vous aller. 900 millions de dollars pour nous, nous pouvons aller, mais nous avons rentré. Et puis, pour une raison qui fait que comme la varie, tout a varié, c'est que nous ne pouvons pas produire. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Nous importons pour 5 milliards de dollars. Nous exportons pour 1 milliard. Et ça, nous exportons, c'est ça qui fait nos factories. Ici. Donc, nous avons une balance commerciale de 4 milliards de visiteurs. Qui fait que, il est extrêmement important que nous réduisions. Et là, nous réduisons, ça veut dire que nous avons besoin de pile de dollars pour nous voir l'autre bord. Et nous avons besoin de dollars. Dollars que nous gagnons, c'est de la diaspora, qui peut être 3 milliards. Même lorsque nous voyons de la diaspora, nous avons besoin de dollars encore. Et tout ton besoin de dollars, c'est la loi de l'offre et de la demande, de dollars pour augmenter. Surtout si dans le budget, il y a des déficits budgétaires. Vous avez un budget qu'on a. Donc ça veut dire que la production nationale, là, c'est un atout majeur pour nous descendre. Toi. Qu'on y a si nous voulons, nous avons quitté toi à fond de monter pour nous préparer au cadre compétitif. Ça, c'est politique. Mais je nous y là, nous asphyxier parce que pratiquement, pas de rien que nous produisons dans le pays. Et exemple, ça, montrez-nous que si nous produisons. Dans le pays, il y a un pile côté qui a fâché. Par exemple, il y a un article de Santiago Soti qui dit que le sénateur de la Portue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Pas un danger. Mais simplement, à faire production pour le pays. Parce que les gens qui ont voué les yeux, ils font comme lui.
Le jour que le pas voyer encore, son ennemi vous dit. Et c'est peut-être ça qui est important pour encourager tout le monde à garder ça. Parce que si je dis, ou tu as l'État qui l'aide, ou tu as le peuple qui est en ou tu pas faire production ça. Parce que ou tu as découragé, si on investissement comme ça, que nous mettons fonds propres, que nous prêtons 1 million de dollars pour nous arriver, que nous payons régulièrement, il y a 50 personnes qui travaillent, il y a 300 machines qui dépendent de nous, il y a 500 personnes que, comme petits machines que nous vendons. Ça veut dire que ça, derrière ferme là, il y a plusieurs monde qui vivent de lui. Mm-hmm. Si l'expérience ça, l'arrivée, il n'est pas réussi, au fur et à mesure, le monde va investir là. Et je dis, visite ça, c'est montrer nous comment nous devons prendre confiance dans le pays ça pour nous investir, pour que nous arrivions justement dans la production nationale. Mais la production, il y a un problème. Il faut l'État mettre en route. Par exemple, la ville là où il y a blocus. Mon gars, camion se quoi aller, yo voler. Yo voler en route. Son déficit pour entreprise comme ça. Donc faut gagner sécurité, faut gagner de l'eau, faut gagner courant et me penser faut gagner prêt pour jeune yo parce que jeune yo gagne l'idée mais yo pas gagne prêt. Et c'est pour être ça nous va faire formation en novembre ou décembre à jeune yo pour yo connaître exactement eh bien comment secteur agricole là est et deuxièmement pour, puisque Banque Centrale met en politique de prêt à travers ça, pour voir comment ils joignent tout. Parce que nous avons besoin au moins deux fermes comme ça dans chaque département. Pour que nous, pour eux seulement, après il faut qu'il y ait une ferme pour Dieu, ni maïs pour notre bail, mais nous avons besoin de fermes comme ça pour que vous arriviez autosuffisant. Ok, c'est bien. Tu n'as pas les deux. C'est nous-mêmes qui avons un problème avant pour la production. Mais comment vous comprenez la concurrence puisque tu as parlé de deux autres femmes qui ont produit environ 300 000 et qui ont produit deux ventes là, tout le monde. Comment vous comprenez la concurrence? Ferme qui était là, il va faire. Il va haïtien qui investit. Il faut que c'est une ferme jamaïcaine. Donc, eux-mêmes, ils ont fait lit. Et ils viennent investir très bien. Mais ferme pas là, c'est ferme qui a un investissement haïtien seulement. Ok. Et là, ça. Ou est bagarre, alors je ne vais pas courir. N'importe qui s'est gagné, je suis obligé de camper. Et je ne vais pas grandir. Donc là, j'ai un sentiment de ce que ce n'est pas un investissement seulement, mais c'est une fierté pour moi, pour que ma produit et que je sente nous-mêmes, votre nous pas dépendre de l'étranger. Il n'y a pas même gens avec investisseurs qui sont là-bas, qui les mêmes viennent investir, si là-bas, là-bas, là-bas. Ok, donc en gros, c'est ça. Et nous allons passer dans le traitement de l'eau. Et puis, dans le gars industriel là, puisque quand même, il faut. Avec les mélanger, maïen, nous sommes capables de manger. Ça va. C'est nous mélanger. Calzea, surtout c'est calcium dans le besoin. Ok. Calzea. Vous avez là, ok, ça c'est des potes que nous stockons. Posea, c'est. À côté là, on a pris ces dépôts, côté que vous quittez pour manger, pour stocker manger. Il faut toujours bien manger pour la manger chaque jour. Du coup, on a fait le cas de la manger. C'est un domaine, c'est un domaine. Combien de temps fait travail ce domaine? C'est un domaine. 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 C'est un
c'est pas un gars ça au Saint-Domingue, mais là il vient, il est habitué, il travaille, les gars. Pendant ce temps de travail, ça a fait en Haïti. Et son travail qui fait en Haïti, n'importe mon cadre qui est supposé passer en Haïti pour le travail, ça a fait. Pour ça, parce que j'ai avini, on boit, pour aller pour la passion, on boit, et pour le bread, on boit, parce que c'est un gros miracle. Un gros miracle. Excusez-moi, mon frère. Pendant ce temps, c'est le même. Je ne vais pas faire pour l'arrière comme ça. C'est le même, je fais une autre façon. Parce que nous sommes sénateurs, c'est un gros miracle qui fait pour nous-mêmes. Et n'importe qui qui parle, que vous gardez un exemple. Ouais, c'est un gros exemple. Ok? L'infini pendant ce temps-là, c'est le même. Moi, c'est le même. Moi, en Haïti, il y a même des différences. Mais qui est différent? Pendant ce temps en Haïti, si vous avez un mouvement qui fait en Haïti, vous n'avez pas besoin de vous parce que dans le pays. Mais là, c'est le même. Il y a un bagage passé, Dominique n'a pas payé ça, ou même Haïtien, c'est vous-même qui payez ça. Ça peut être payé ça parce que vous financez vous par eux. Vous comprenez? Parce que si on a ce domaine là, pour nous arriver, ce domaine qui a marché dans la guerre, tout d'accord, chaque coup t'as supposé que pas nous, parce que vous pas marché comme ça. Ok? Vous me dites nous bien, une question à taille. Et si tu es aussi ça, vous avez là? Bon patron, c'est ça. Il sorti depuis derrière. Derrière, dans le dernier limite de l'arrière, il arrive là. Il y a un bouton pour peser pour Zé à venir. Il y a un bouton pour peser pour Zé. Les arrivés, gros vini, petit vini, moyen vini. Les arrivés, gros petit, gros vini, petit vini, moyen vini. Les arrivés vini, ou même, ou à distribuer Zé. Salon bon, petit on bon. Ça fait zéro tout le monde. On l'a bagué encore. Bon bouton pour manger, chaîne manger, pour peser pour tout le monde manger. Là, il y a bon bouton peser pour toilette là. Toilette là, même bon côté tombé derrière. Tomber sous lui, ou bon bouton peser pour toilette là, il tombe derrière. Tout le bagage qui fait comme ça pour l'air, c'est pas tout le bouton. C'est le bagage qui fait bouton là pour l'air, le naturellement, c'est nous-mêmes l'homme, nous pas bouton. Nous-mêmes, nous avons un bouton, c'est ça. Mais je suis bien content que nous visitions comme on travaille. Et que nous ne sommes pas dans ma travail, c'est un matériel. Je suis bien satisfait de moi-même. Parce que moi-même, c'est mon local. Je suis très bien. Tout dit. Vous arrivez là, nous dépassons nos 300 euros la machine. C'est un gros miracle. Nous sommes loin. Nous sommes loin. Et bien content. Et je suis satisfait que nous sommes avec là. Moi, content. Parce que moi, que nous sommes avec le patron là, que le sénateur va se avec nous et là, au de nous. Ok, faut qu'il okay. Passe manger. Là, nous sommes. Il va le passer manger. Manger, nous avons le droit de garder dans le couloir. C'est côté nous pour nous manger. Mais là, le passé, nous allons à virer. Et nous alimenter directement dans le silo. Ok. Et ça va comme ça. Ça là. Ça, c'est ça qui passe manger. Chèvre là. Côté pour y manger. Ça, c'est côté mêlé, mêlé, ça. C'est lui qui fait zère.
c'est tout réalisé. Mais ça, il faut le courant en dapour la air. Pour que vous pas connu. Nous allons recevoir Tipoulio. Tipoulio, là, vous faites venir. Vous 20 000, vous mettez en bas là. Là, vous en bas, pas de jury. Si pour ça, ça dépend si c'est W26 là ou bien Mahani. Si c'est W14 ou bien Cédouin. Mais nous, nous prenons W36 là. Vous venez à 11 jours ou météo là. Et puis vous faites 4 mois là. Après 4 mois, vous restez au l'autre bord. Mais là, vous avez tout le système de l'eau à tout. Vous avez le système de l'eau. Là, vous venez nous mettre mangeoire, nous mettez tout le bail. Ça, c'est pas dur. Pas dur, donc vous prenez la tibonite, vous prenez de côté. Pas un problème. Et pas dur, ça allait beaucoup mieux que tu as mis RIP, l'on nettoie le bois. C'est bien avec tout. Donc, nous devons les montrer. Nous guettons encore comme ça. Le 15 septembre, nous recevons 60 000 tibonites. C'est côté. Mais comme nous sommes dans la période où nous n'avons pas de boulot, parce que nous avons une période de production, normalement, nous avons gardé en décembre si nous avons l'autre porte ouverte, parce que nous sommes dans la période d'abattement, côté que nous préparons pour la même nouvelle, pour couper les zèles, tout le monde, pour mettre là, et puis là, nous avons délivré la partie de là. La période est arrivée, nous avons parlé plus de monde, puisque faut nous transporter pour lui, pour lui là. Il est arrivé là pour que nous activer et puis nous pouvons aux gens ouverts. Pour le moment, nous avons beaucoup préparé, puisque c'est en octobre-novembre, nous allons tout pour ça qui là. Nous allons abattre. Parce que nous allons arriver à un côté que sous 100 poules, pour gagner 50 qui vont. Et là, c'est un déficit. Parce que dans le coût de production, manger, c'est 70%. Ça veut dire que si vous avez 50 poules qui vont sous ça, vous avez un déficit. Mieux vaut que vous avez un radio pour faire l'autre poule venir. Donc, chaque période que nous arrivons dans la fin du cycle, et le salon en radio, nous mettons là et puis nous revenons. Et nous baillons au prix nous-mêmes. Pour là nous fixer la 3 dollars. Même si on prend un vivant, on prend un vivant. Fixer la 3 dollars. Ça veut dire que si le 120 gouttes, pour là c'est 360 gouttes, nous-mêmes nous permettons que les gens nous-mêmes y a 20 000 en détail. Okay? Ou bien, dépendant, nous avons 20 000 2 dollars et tout, si comme la 3 montée, en façon pour arrêter nos échelles en 300 et 350. Espace, c'est la espace. Sous 20 carreaux. Sous 20 carreaux. Et normalement, nous te comptons augmenter la production, mais j'en paye à y là, en pile problème de sécurité, de production de manger qui fait que nous étions là. Mais nous espérons que vraiment nous allons augmenter parce que le secteur avicole là, pour compte, qu'a fait nous économiser 1 milliard de dollars. Il y a les hangars, hangars élevage. 3, hangar de production 5, gagner usine de production qui mangeait, gagner les dépôts pour les centres de tri et centres d'alvéole, gagner le centre de pompage d'eau pour les traiter d'eau, et puis dans la ferme en général, il y a plusieurs vergers. Il y a un verger de menthe, de citron et de banane. Sénateur, actuellement, nous gagnons peut-être 70 000 pour. Oui. C'est pondeuse qui fait ça. Nous allons faire pour les deux choses. Chaque jour. Si vous regardez là, on va pouvoir. Et si vous êtes en fait à vous midi, on va faire un bon calcul.